Il a écrit au Mazeberne. Il écrivait, alors il partait le matin, quelquefois il rentrait à déjeuner, il partait à pied d'ailleurs à travers la colline. Il partait souvent avec son chien qui était notre chien, et il rentrait le soir. Quelquefois il avait travaillé, d'autres fois il n'avait pas écrit du tout. Il écrivait très vite, il faisait très peu de ratures. Si vous avez regardé des manuscrits, vous avez dû vous rendre compte qu'il faisait très peu de ratures. On peut dire qu'il a été très attaché aux Alpilles. Et là, il a retrouvé, d'abord, il a retrouvé une joie de vivre qu'il avait perdue depuis son adolescence. Mais il a eu une passion pour la Camargue. La Camargue qui n'est pas très loin d'ici et où nous avons fait ensemble de longs séjours. Il faut, pour apprendre ce pays et s'en faire accepter, beaucoup d'humilité et une infinie patience. Il faut s'y perdre, abandonner ce qu'on apporte, oublier ce qu'on sait, s'oublier. C'est encore cela, l'amour. Accepter ce qui vient à vous, être prêt. Combien y sont venus, qui n'ont vu qu'un ciel vide sur une eau morte et une terre déserte. Jean Prohal avait le goût de l'amitié. Il ne faisait aucune pression sur les gens. Il était attentif et on sentait qu'il était attentif et qu'il essayait, ou il n'essayait pas, peut-être c'était naturel. En tout cas, on devenait soi-même en face de lui. Et nous avons eu des amis communs et c'est de cela que je peux parler. Donc il y avait, à tout seigneur, tout honneur, Hans Hartung, qui est le grand peintre que tout le monde connaît. Roberto Rossellini, le metteur en scène, Mario Prassinos, qui est également un peintre réputé, et un particulier qui lui était particulièrement cher, Georges Item. L'amitié, c'est se sentir deux, non pas confondu, mais ajouter. Non pas ajouter, mais multiplier. Être deux d'un côté du monde et le monde de l'autre côté. C'est partager un bout de pain et sentir que ce pain n'aurait pas le même goût si l'autre n'en mangeait pas. C'est se réveiller la nuit et sentir que l'autre sommeille, s'est suspendu et guette. Avoir un ami, c'est avoir deux échines pour supporter le poids du monde. Au moment de sa mort, quand on lui a dit « Est-ce que la lumière te gêne? » Il était en respiration artificielle. Il a demandé une feuille de papier et il a écrit « C'est la lumière qui me fait respirer. » Et ça, je trouve qu'un homme qui meurt et qui dit une phrase pareille est allé très loin, je crois, je pense, je l'espère.